Yo, les gars, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. La DH urbaine de Grenoble est de retour. Bon, et du coup, le parcours est nouveau, il va partir d'ici. On est sur une terrasse d'un nouveau bâtiment, on est au premier étage. La course va partir de ici, un drop de 4 mètres. Regardez voir, ça part ici, ça saute là-bas. Bon, là, il n'y a pas encore les modules, mais on a déjà des gens qui veulent essayer. J'avais mis un petit post sur Instagram, ils ont voulu essayer en exclusivité cette nouvelle piste. Bon, bien sûr, il n'y a pas les modules, mais ça va vous permettre avec nous de découvrir le nouveau tracé. Donc, on part ici dans un nouveau bâtiment qui s'appelle The Babel Community. On va construire une grosse plateforme ici avec un drop de 4 mètres de haut, saut dans les escaliers pour commencer. Ça va être complètement dingue. On peut pas l'essayer aujourd'hui, mais je vous montre la suite et on va voir qui veut essayer. Là, ils sont en bas, ils sont chaud apparemment, donc let's go, allez on va rouler. Du coup ça va être un truc de dingue, ça fait 4 mètres de haut par 6 mètres de long. Là j'aménagerai un petit plan incliné pour sauter dans ces escaliers, et ils sont venus nombreux pour pouvoir essayer cette piste. Viens voir, on va les rencontrer. Yes, ça va les gars? Yes, comment tu t'appelles? Vas-y, dis-moi à chaque fois. Benji. Mathis. Hugo. Julien. Noah. Et Noah. L'ancien de la bande Denis. Et l'ancien Denis, ben oui. Bon, là, du coup, c'est pas aménagé. Je pense que dans cette ligne droite-là, il y aura un saut. Je sais pas trop encore. Peut-être partir une voiture ou un truc. Et après, on va dans le jardin. Donc, on va tous là-bas. Et en plus, j'ai pris un petit saut qu'on va pouvoir aménager. Donc, let's go. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de rampe, mais j'en ai amené. Du coup, ça tourne ici. Et après, on arrive dans le jardin. Ça arrive là. Donc là, faire gaffe au plot, faut tourner. Petite partie escalier tranquille. Ça arrive dans le jardin. Et là, ici, je verrais bien un gros gap qui arrive dans la descente en coupant un peu l'arbre. Voire peut-être même de tirer tout droit la barrière là. Peut-être rouler sur la barrière. À voir. Bon, bref. Allez là. Et là, faire les escaliers et tourner. Après, venez voir parce qu'après, c'est un peu serré. Là, ça continue là-bas. Il faudra faire gaffe au guidon. Là, ça peut taper le guidon là. Et là, on pourra aller tout droit, mais pendant la course, là, il y aura une plateforme qui va faire ça, qui va tourner par-dessus le mur et tirer à l'entrée du musée. Hop. Oh, c'est tiré, là. Oh, ça va tirer. Là. Vas-y, Hassan. Et là, on va voir le guidon qui va passer. C'est bien fait le guidon. Oh, ça part chier là. Bon allez, je vais aller essayer ça. Le saut. Et je vais essayer de prendre le petit verre derrière si je peux. Ça passe, ça sera pas ça hein. Pendant la DH urbaine, ça sera un vrai truc bien aménagé. Là ils partent de là-haut, ils vont essayer déjà de passer ici. Là il y a 2-3 pierres sur le sol. Bon, le jardin c'est bon. Et nous on va juste là, là. Là on attaque la partie escalier. Il y a une grande ligne droite de 200 mètres d'escalier. Bon, que de la double, ça va secouer. Il y a du monde, on va faire gaffe. On va peut-être prendre des sifflets, des rubalises. Et voilà. Allez, let's go. Bon, là c'est la grosse partie escalier. Ici, le début on voit pas trop, mais s'il y a des sifflets, il y en aura un là. Et un plus bas, comme ça on sait qu'on peut continuer. Là en gros, il y aura une passerelle ici. Et ça fera un saut de 6 mètres jusqu'à là-bas. Des sauts sur là-bas. On va faire comme pendant la DH, on va bloquer la partie de droite avec les sifflets, avec tout le monde, et gauche les spectateurs. Donc là, il y aura vraiment blindé de monde ici, et les riders seront à droite. Un sifflet, un coup, ça veut dire qu'on peut y aller, qui donne le signal à celui qui sera dans le virage, et deux coups, c'est qu'il faut arrêter, il faut freiner, quoi. Allez. Allez, full gaz! Ça ira là.
Nickel. Nice. C'est bon ça. Et après, faut remonter tout à pied. Ça, c'est le plus marrant. On a de la chance, pendant la DH urbaine, on va tous remonter en moto électrique. Ils vont nous tirer comme l'an dernier. Maintenant qu'on a tous repéré un petit peu, full gaz. Et en plus, il va me suivre avec un FPV, donc ça peut être très, très, très fou. Donc, on fait place et let's go! Ok, vous connaissez bien la piste? Ouais. Je pars en dernier. Ouais. Le but, c'est de tous vous doubler. Ok. Allez. Chacun sa règle. Ok. Comme on veut. Le premier arrive en bas. Ok. Allez, allez, go. Que deux. C'était chaud. Il y en a deux qui m'ont résisté. Hein. Moi. Ah, ils étaient chauds là. J'essayais de zigzaguer entre les barrières, mais c'était trop court. C'est lui qui est parti en premier. Et du coup, après, bah, là, on arrive sur la fin, un peu comme l'an dernier. Donc là, on va tirer à droite. Il y aura encore un peu des escaliers. Et après, bah, je vous montre. Il y aura. Je pense qu'on mettra pas la même passerelle que l'an dernier. On fera une espèce de gros wall ride qui sautera un peu dans les escaliers de fin. Là, j'essaye un truc bien chaud. Je veux faire une triple. En gros, je pars de là. Là, faut que j'arrive. Ah, ici. Ah, ici, il faut que j'arrive. C'est chaud, hein. En plus, j'arrive dans un virage, je me fais secouer. Allez, let's go. Ouais. Ça a un peu tapé, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bah, de toute façon, c'est la fin de la piste. Hein. Bon, les gars, il vous reste 50 mètres à faire. Voilà, allez. C'est vous qui allez terminer la vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, viens voir, on va quand même regarder. Et là en bas, c'est là où il y avait l'espèce de grosse plateforme que cette année j'ai envie de faire un gros wall ride, peut-être wall ride saut pour finir dans les escaliers. Et après ça finit bah, dans les bars, voilà, ça finit là-bas. Allez les gars, ils y vont. Allez-y. Vas-y. Ouais. Alors c'est nickel, vas-y. Ouais. Ça c'est propre. Allez. Voilà. La descente ici. Attention au vélo. Et voilà, on est arrivé. J'espère que ça vous aura donné envie de venir le 27 et le 28 mai prochain à Grenoble pour la DH urbaine. Donc pense à suivre ça sur les réseaux sociaux. Ciao, merci tout le monde. Merci. Yes. Merci.